Frédéric Birgel, donc je suis médecin à la Croix-Rouge française et je travaille en collaboration avec la Croix-Rouge canadienne au sein des cliniques mobiles. Donc mon rôle principal, c'est en fait d'assurer les soins de santé à la population dans les villages dans lesquels on se déplace et aussi d'avoir la responsabilité médicale de la clinique mobile, car nous avons du personnel haïtien, staff local, médecin et infirmier, donc que je supervise un petit peu, et aussi les infirmiers français et canadiens. Ce qui m'a le touché le plus, c'est que on a été le premier organisme humanitaire à pouvoir approcher un village retiré en bord de mer qui s'appelle Capafou, et on a été surpris par une épidémie de dysenterie et par des cas de paludisme assez sévères. Et ce qui m'a touché, c'est d'avoir vu dans mes derniers patients un petit Jacquelin, un petit de 3 ans qui était vraiment mal, avec un paludisme sévère, avec aucun moyen de pouvoir le transférer car aucune ambulance ne pouvait venir. Donc en fait, avec le cœur un peu gros, on a laissé ce petit bonhomme après lui avoir donné un traitement conséquent. Et une semaine après, on est revenu et j'étais super content de croiser le petit Jacquelin dans la rue qui courait, et j'ai pas pu m'empêcher d'aller le prendre dans les bras et de jouer avec lui. Et vraiment, là, c'est un super moment de se dire que avec un traitement assez simple, on a pu quand même faire des miracles.